finis par des cas concrets. Les cas concrets que j'ai remontent dans le temps. Mais des fois, il prend du temps pour que ces informations nous filtrent. Je considère que, par exemple, en 2010, le boxeur Zachary Mouni, qui a été condamné après, a été victime d'un enlèvement à l'aéroport. Il prétend avoir été amené à Tmara. Moi, je n'ai pas des preuves. Il avait des yeux bandés, couverts comme tout le monde. Donc, il ne savait pas exactement où il a été amené. Mais dans le passé, c'est clair, à la base des témoignages concordants, qu'il y avait un système de détention secrète au Maroc. Récemment, on n'a plus de cas. J'espère que cette pratique a été supprimée, mais il faut plus de temps pour nous rassurer. Aussi, j'espère que ça ne se produit pas, mais s'il y a un attentat demain et un grand rafle dans les rangs des salafistes et des autres, on va voir si l'État va réagir de la même manière qu'ils ont réagi en 2003, après les événements de Casablanca en mai. Donc, est-ce qu'on a vraiment barré la route à une reprise de ce genre de pratique? Il faut voir, je ne suis pas encore persuadé.